Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, nous sommes lundi. Alors je suis désolée, j'ai pas pu vous faire de vidéo plus tôt. Là, il est, je sais même pas quelle heure. 17h30. Il est 17h30. Merci ma puce. Ce matin, eh bien, j'ai pas pu continuer dans les marque-pages. J'en ai tellement fait en 2 jours que vous voyez, je me suis fait une ampoule. Et l'ampoule, elle a carrément pété. Donc là, pour l'instant, on essaye déjà de guérir un peu ça. J'en suis à 100, presque 150 là. C'est compté, il doit y en avoir 147. Sachant que j'ai repréparé plein de bases hier, j'ai commencé à réancrer, mais alors j'avais trop mal, donc j'ai dit une petite pause aujourd'hui. Donc ce matin, j'avais des démarches à faire, je m'en suis occupée. J'ai commencé à m'occuper de mes démarches. Et cet après-midi, eh bien, Lola avait un rendez-vous. En rentrant, on est rentré il n'y a pas longtemps, j'ai juste pris le temps de me poser un petit coup entre deux. Le facteur était passé, donc j'ai reçu 3 envois. Il y avait tout ça dans ma boîte aux lettres. Allez, on découvre ensemble. Le premier, j'adore tes timbres, ma Céline. Bisous à Lily. Regardez, ils sont magnifiques. Alors toi, tu connais bien mes goûts. Hein. Oh, regarde. Ah oui. Ah oui. Ils sont trop beaux. Allez, on va ouvrir. Hop. Flo glisse le plioir dedans comme il faut, ça ira mieux. Il y en a, ils prennent des ouvre-lettres, moi je prends des plioirs, ça va aussi bien. Ouais, je me doutais que ça avait refait des marque-pages. Wow. Ils sont super jolis. Alors, je les mets sur le côté. Déjà, ta petite carte. Tu m'en avais déjà fait une, t'étais pas obligée, ma belle. Elle est superbe. J'aime beaucoup. Les 3 demi-perles, dont une plus grosse au milieu. Pareil en haut. Un carré. Ouais, un carré. Et après, un deuxième que tu as coupé en deux pour faire les angles. C'est super original. Allez, je lis ton petit mot. On va essayer avec le petit nœud de Maryse. Ah là, je lis la phrase quand même, que Maryse puisse entendre, hein, puisqu'elle ne pourra pas la lire. Comme promis, je vous envoie quelques marque-pages, car Maryse m'a envoyé un petit nœud, donc je lui ai fait honneur en me mettant au travail. Eh bien, franchement, top. Je te remercie beaucoup. Ah ben, la pluie, on l'a eu un petit peu. Là, elle est partie, nous, la pluie. Ça y est, on a récupéré le soleil et la chaleur. Hein. Mais ouais, quand il a plu un peu, ça rafraîchit un peu, ça faisait du bien. Après, quand je dis rafraîchit, c'est un grand mot aussi chez nous. Et ben, des gros bisous à toutes les deux, les filles. Merci beaucoup. Je la reglisse dans la petite pochette pour l'instant. Je ne voudrais pas l'abîmer. Yep. Voilà, et on va découvrir tes marque-pages. Alors, celui avec le nœud à Maryse, il est là. On va le garder pour la fin. Ils sont superbes. Ah, j'aime beaucoup. Allez, on commence par le premier. Tu as mis un petit ruban en satin. Donc, c'est du 3 mm satin rose. Alors, à l'écran, il ressort blanc, je le sais. Mais il est bien rose. Hein. Tu as fait le petit trou en étoile. Comme l'autre fois, déjà, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Au dos, tu es venu mettre tes 3 petites fleurs. Ça, c'est ta marque. Hein. J'ai capté. C'est super mignon. Et regardez devant. Elle a pris un papier qui est déjà imprimé. Elle est venue rajouter, comme sur la carte ici, un morceau. Donc, des petits strass fleurs. Une fleur en 4 épaisseurs avec une demi-perle dedans. Le sentiment pensée positive. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. C'est en rose. Hein. 3 autres petits strass fleurs et un magnifique signe pailleté de rose. Il est superbe. Le petit feuillage doré sous la fleur, tout, mais alors tout y est, c'est superbe. Et là, je suis en train de voir, tu es même venu tracer avec un stylo glitter. Ou... Je pense que c'est un stylo glitter. Ou est-ce que c'était déjà sur le papier, je ne sais pas, mais voilà. Regardez, vous allez voir. Voilà. Youp. C'est super joli. Le deuxième,
Donc, toujours les trois petites fleurs au dos. Le petit trou étoile. Un ruban, donc satin, rose, avec des petites vagues, on va dire, des petites spirales. Et regardez comme il est trop beau. Oh, j'adore. Donc, pensée positive, avec un petit hérisson qui a une fleur dans, au-dessus de l'oreille. Des petits strass fleurs, ils sont jaunes, mais ça va super bien avec. Là, c'est pareil, c'est un cœur, c'est un élément bois de base, mais un cœur pailleté rose. Ils sont trop beaux. Là, on a un deuxième petit hérisson caché derrière des fleurs. Tu as fait des découpes cadres que tu es venu coller et couper, donc bien évidemment. Un deuxième cœur avec, comme si ça faisait un ballon en fait, j'aime beaucoup. Les petits strass fleurs toujours. Ils sont d'une délicatesse, ils sont beaux. T'as vu Puce? Ah oui. Ils sont superbes. Le troisième. Eh ben, c'est un petit peu le même esprit de celui-là. Vous allez voir. Donc au dos, toujours les trois petites fleurs. Hein. Vous voyez, on retrouve un petit peu l'esprit. Il y en a un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Mais c'est super joli. Donc, les petits strass fleurs. La fleur en trois épaisseurs avec la demi-perle et le feuillage pailleté doré. La vie est belle, le sentiment. Là, ta découpe que tu es venu donc mettre avec le signe pailleté rose dessus et toujours des petits strass fleurs. Ils sont vraiment très 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 jolis. Et le dernier que tu as fait avec le petit nœud à Maryse, il est superbe aussi, j'aime beaucoup. Donc toujours tes petites fleurs. Là, on a toujours la perfo étoile, le petit ruban rose. Alors regardez-moi ça, il est superbe. On a un petit hérisson en train de lire, des petites fleurs. Le cœur, c'est marqué « La vie est belle ». Les cadres, le nœud à Maryse, donc marqué « Love » avec un petit cœur. Une autre petite fleur. Ils sont superbes. Alors, je vais venir dans le carton. Je vais poser les pochons vides à côté. Si ça ne te dérange pas, et je pense pas que ça te dérange, je vais piocher dans le carton ta pochette. Je vais les rajouter aux autres que tu m'avais déjà envoyées. Alors, ramener le carton là. Alors les miens, ceux que j'ai fait moi pour l'instant, je les ai mis dans des pochons noirs, comme ça je les différencie plus facilement. Et hop. Et hop. Alors, tu es. Tu es dans le fond, ça je sais. Tu dois être tout au fond. Tu dois être là. C'est ça, je t'ai trouvé. Donc, tes premiers étaient là. Un, deux, trois et quatre. Je les remets avec les autres. Et ben, je te remercie beaucoup pour ta contribution, ma Céline. C'est adorable. Et en plus, ils sont vraiment magnifiques. Je les reglisse dans la pochette. Je fais descendre les petits rubans. Ça reste en bas, toi. Oh là là. Je referme la pochette comme il faut. Je la retourne parce que là, ton nom est marqué dessus. Donc, par respect, je ne mets pas ton nom en vidéo. Et on va le reglisser dans le carton tout de suite. Voilà. Là, c'est le pochon que j'ai fait où il y en a le moins. Celui-là, il doit y en avoir, ouais, je ne sais même plus combien. Et tous les autres, il y en a 20 par pochon. 2, 4, 6... 8, 10,
12 et puis j'en ai encore que je n'ai pas mis en pochon et que je n'ai pas encore rangé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore les 140 et quelques là dans le carton. Donc voilà, merci à vous les filles, plein de gros bisous. Et on va continuer donc avec l'envoi suivant. Donc je remets ta carte dans l'enveloppe. Je glisse sur le côté. Et donc, les deux envois suivants me viennent tous les deux de la même personne. Donc, les deux me viennent de Sylvie74. Donc, je te remercie beaucoup, ma belle. On va ouvrir et on va découvrir les marque-pages que tu as refait. Alors, j'ouvre les deux enveloppes, comme ça, ça sera déjà ça de fait. Youp, voilà. Youp. Là, il y a une carte. Oh là, j'ai des petites fleurs qui se promènent. Il y en a encore une là. Youp. Je pose l'enveloppe sur le côté. Alors, ta petite carte est très jolie, j'aime beaucoup. C'est les nouveaux dice de chez Action, les grands slim. Ah oui. Hop. Ça donne ça. Et t'es venue le plier en deux et faire ta déco, c'est super joli. Oh, mais merci, fallait pas. Alors, je vous montre pas son petit mot, mais elle m'a glissé deux timbres pour l'envoi, c'est adorable. Mais fallait pas, je vous l'ai dit que j'assumais l'envoi. Ok, je te remercie beaucoup. Oui, bah tu vois, les deux envois sont arrivés en même temps. Eh bah, c'est adorable. Je te fais plein de gros bisous aussi, ma Sylvie. Merci beaucoup. Regardez toutes ces petites fleurs qu'elle a fait. C'est trop mignon. C'est super joli. Par contre, celle-là, je ne sais pas d'où elles viennent, donc on verra ensemble après. Youp. Il y a quatre petites fleurs qui se promènent. Donc, on va déjà regarder ce qu'il y avait dans cette enveloppe et après, on ouvrira l'autre. Donc, tu as fait des marque-pages qu'ils ont l'air d'être tous plastifiés, en tout cas. Un petit ruban rose. Je suis forte, je suis lumineuse, je me bats. En sentiment. Tu es venue coller un petit strasker. Un nœud rose avec une petite demi-perle. Deux. Non, il y en a deux. Non, j'ai cru qu'il y en avait deux. Ah non, c'est les deux tampons fleurs et la fleur en résine, voilà. Et deux petites demi-perles en bas. J'arrive. Vas-y, ma puce. Le deuxième. Oh, c'est tout mignon. Donc, sur une base rose plus foncée, un ruban rose. Tu as découpé et colorisé une petite poupette. Voilà. Des petites fées avec des petites demi-perles. Le meilleur est à venir. En bas, on a deux petits chats à ses pieds. Le ruban rose et deux cœurs. Elles sont super mignonnes, ces petites fées. J'adore. Oh, c'est super joli. Le suivant. La vie est un combat. Donc, le même principe. On a des petites fées. Un cœur rose, le nœud. Là, tu es venu coller trois. On les trouve dans les pochettes de strass qu'on achète. On a des petites choses comme ça. Des fois, c'est super joli. Une petite poupette, pareil, que tu es venu découper et coloriser. Les deux petits chats à ses pieds. Ensuite, ah là, ton petit nœud, je vais lui remettre un petit point de colle. Parce qu'il s'est décollé. Donc là, tu es venu faire le trou en coin, sur le côté.
le petit ruban. Et tu es venue tamponner des petits pandas. Ils sont trop mignons. Et donc, amour, espoir, solidaire. Et des petits strasqueurs. Alors là, je vais le recoller tout de suite, comme ça, il aura le temps de prendre. Moi, je sais que je l'ai fait à la colle chaude. Mais là, comme je n'ai pas la colle chaude à portée de main, je vais le faire avec le Glossy Accent. J'avais fait le test. Ça tient bien. Yep. Comme ça, le temps que je montre les autres, il aura le temps de coller. Si il veut bien. Là. S'il reste collé à mon doigt, ça ira moins bien. Voilà, donc voilà, je l'ai recollé, c'est tout bon. Il va avoir le temps de sécher le temps que je finisse la vidéo. Je décale les petites fleurs. Ensuite. Elle est très jolie aussi. Donc là, un petit ruban rose. Tu l'as plastifié. Et donc, tu es venu mettre des fleurs. Là, je vous montre. Des grosses fleurs. Des plus petites. Le meilleur est à venir. On a des petites fées. Un napperon. Enfin, un demi-napperon. Et le tout sur un papier décoré. Là, on a un petit ruban organza rose. Et donc, tu es venu. Attends, que j'aille pas mettre les coudes dessus. La vie est un combat. Donc, on a un landau. Un hochet, un biberon, un doudou. De la dentelle avec du ruban dedans. Et c'est un fond que tu as ancré. Ouais, c'est ça, c'est un fond que tu as ancré toi-même. C'est très joli. Tu es venu rajouter des demi-perles et le petit nœud. Donc là, sur une base craft, un ruban rose. Tu es venu. Alors, oh, c'est super joli ton fond. C'est une je pense que c'est avec une peinture rose métallique que tu l'as fait. Et donc, tu as fait La vie est un combat. Une découpe de moto. Des demi-perles, un petit cœur en résine et un petit cœur en strass. La découpe des motos, elle est super jolie. Puis oui, il y a des filles qui aiment la moto. Hein. Là, sur une base rose fuchsia, le petit ruban en satin. Amour, espoir, solidaire. Et donc, tu as mis une paire de chaussures de foot. Et un ballon de foot, parce que oui, les filles aussi ont le droit d'aimer le foot. Donc, sur un papier fleuri, en fond. Je m'excuse, je change de position. Et ben là, si j'y arrive. Là, on a encore une petite fleur qui se promène. Ensuite. Ah oui, elles ont dû se décoller de sur le plastique, parce que là, je vois qu'il y en a une ici. Là, sur une base rose. Un petit ruban en organza. Ah, par contre, ça doit être un ruban blanc cette fois. Vous allez le voir blanc, mais il est blanc. La vie est un combat. C'est un papier que tu es venu colorier. Voilà. On a des petites demi-perles dans le cœur des fleurs. Tu es venu rajouter une petite fleur comme tu as fait sur la carte. Et le petit nœud. Sur une base blanche, un petit ruban rose. Et là, tu es venu faire un fond rose, bien évidemment. Des demi-perles, le meilleur est à venir. Des découpes de lotus. Ouais, fleur de lotus ou... ouais, je veux une fleur de lotus, moi, là. Après, je me trompe peut-être. Et le ruban avec une demi-perle dedans. Ouh là là. Alors là, j'ai un collage. Et hop, et hop.
Oh, qu'il est beau. Sur une base rose, un ruban rose. Regardez-moi ce chat comme il est beau. Oh, il est magnifique. Il fait tellement réel. Oh, j'adore. Il est superbe. Donc, amour, espoir, solidaire. Avec le petit ruban rose. Mais il est trop, trop beau ce tampon. Oh, j'adore. Et là, tu as maté ton papier. Ah, il est magnifique. Là, donc là, il y a eu un petit souci. Les fleurs se carapatent. Il y a le petit strass qui s'est carapaté aussi. On le voit, il est sur le côté. Il est là, le petit strass. Donc ça, je verrai à remédier à ça après. Donc, sur une base rose, le petit ruban en Kanza. Ne perds jamais l'espoir. Yep. L'appareil, tu as colorié. Tu es venu coller des demi-perles dans les cœurs des fleurs. Yep. Le petit nœud et trois fleurs qui se promènent et que je verrai à bricoler après. Ensuite, oh qu'il est mignon celui-là aussi. Donc ruban rose, base noire. Le meilleur est à venir. Et donc, tu as fait il y a des petites loupiottes, des cabanes à oiseaux. Alors là, il y a la maison d'oiseau avec le petit écureuil. Là, sur la loupiotte, on a le petit oiseau. Sur les branches, on a à nouveau un petit écureuil, des cabanes à oiseaux. Le petit oiseau devant ouais, les luminaires, là, vous savez, j'ai perdu les lanternes. J'ai perdu le nom. Tu as collé des petits strass-cœurs et des demi-perles. Vous le verrez entier comme ça. Ensuite, oh mais ils sont superbes. Base rose, ruban rose. Le meilleur est à venir. Et regardez-moi encore ce tampon. Donc le papier est maté, le ruban rose. Mais ils sont superbes. Hein. Ah, je ne voulais pas montrer en gros celui-là, le tamponnage. Alors, hop. Hop, voilà, comme ça vous verrez l'oreille aussi. Ils sont vraiment superbes ces tampons chats. Je ne sais pas où tu les as trouvés, mais ils sont splendides. Ensuite, alors là, ton petit nœud se fait la malle. On va le reglisser. Hein. Hop. Et hop. Et on se fait le petit jeu de patience. Je suis pas toujours très patiente, moi. Quand ça va bien du premier coup, ça me va. Mais alors quand ça ne veut pas aller du premier coup, des fois, je m'énerve vite. Oui, aïe, aïe. Reste calme, ma petite Flo, reste calme. Le ruban, je pense que tu l'as coupé un petit peu court. C'est pour ça qu'on galère à le mettre et qu'il galère à tenir. Là. J'ai réussi à choper. Ouais, c'est qu'il est un petit peu court, regarde. Une fois qu'il est bien tendu. Mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Le meilleur est à venir. Un fond rose. Des petites demi-perles. Les mêmes découpes que tout à l'heure, mais en bleu. Le ruban rose et la demi-perle. Sur une base noire, un ruban rose, des coccinelles, une de chevaux, le meilleur est à venir, est très joli aussi comme découpe, des strass, des cœurs en strass et le petit ruban. Là, j'ai un petit ruban qui se promène, donc on verra où est-ce qu'il en manque un. Donc là, sur une base rose, un ruban en satin rose, le meilleur est à venir. Et donc des petites coccinelles et des petits chats. Et là on a deux papiers en fond. Il y en a un avec des fleurs, c'est celui du milieu, et avec les rayures en rose gold sur les côtés. Base rose fuchsia, petit ruban rose en satin.
La vie est un combat. On a la petite lanterne avec le petit oiseau en craft. La petite nichoire à oiseaux avec le petit écureuil. Des demi-perles et le petit nœud. Et là, on a deux papiers de fond aussi. Avec pareil des fleurs. Hop. Le suivant. Papier rose. Toujours. Le petit nœud rose en satin. Et là, tu as intercalé donc deux papiers. Tu es venu mettre une grosse fleur avec des demi-perles. Plein de feuillage. Des petits chats un petit peu partout. Et la vie est un combat. Et donc, le petit nœud. Le suivant. Donc, une base rose et de l'organza rose. Oh, c'est sympa. J'aime beaucoup. La tour Eiffel, une montgolfière, de la dentelle. Le meilleur est à venir. Et donc, tu as rajouté des demi-perles rose gold. Tout le haut de la tour Eiffel, au centre du nœud. Et en haut des deux côtés. Yep. Voilà. Et le dernier, bah ton petit nœud, je ne sais pas d'où il vient. Il a dû se glisser en plus dans l'envoi. Donc je le mets sur le côté. On a sur une base rose, un ruban rose, pareil, qui se carapate. Ah ça, le satin, c'est bien, mais ça glisse. Voilà. Yep. Voilà. Il est plus long, ça va être facile tout de suite. Yop, yop. Et yop. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux ces tampons. Ah, j'adore. La vie est un combat. Donc, un premier chat, un deuxième. Et une pile de livres avec le chat dessus. Et le petit nœud. Eh bien, je te remercie beaucoup. Donc là, je vais venir tout glisser dans un pochon. J'écris pas ton nom de famille entier, je l'écrirai après. Tiens, bah regarde. Là que t'arrives. Comme ça, tu les vois. J'aime beaucoup. Yep. Ah là, il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est bien, c'est varié. Et on est dans le rose. Regarde la découpe de la moto, comme elle est belle. Wow, ah oui, ça oui. Yep. Alors, j'ai pas compté, mince. Ah non, celui-là, j'ai dit qu'il fallait que je leur bidouille avec ses fleurs. Donc, je leur bidouillerai. Je le rajouterai dans la pochette après, ne hein, t'inquiète pas. Alors, je les ai déjà tous regroupés. C'est déjà une chose. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, j'en ai 20 dans la main. Yep. Mais oui, celui-là, il est plus long. Et ben, le pochon, je ne vais pas pouvoir réellement le fermer. Donc, une fois que j'aurai glissé celui-là dedans, je mettrai un bout de scotch. Et je le fermerai comme ça. Voilà. Donc là, je le mets sur le côté pour l'instant. On va regarder dans ton autre enveloppe ce que tu as mis. Et celui-là, je le réparerai après au niveau des fleurs. Ne fais pas de soucis. Allez, je sors tout. Il ne reste rien dedans. C'est tout bon. Je mets l'enveloppe sur le côté. Les marque-pages, je les pose là. Oh, c'est joli. Donc, avec un des nouveaux dice, pareil, le même principe. Yop, yop. Voilà. Plié en deux.
Là, on a une petite pince, des petites fleurs. Et là, il y a un petit cœur. Et le mot merci. Ben non, là, c'est moi qui vous remercie, les filles. Allez, je lis ton petit mot. Eh bien, je te remercie beaucoup, Sylvie. Merci infiniment. C'est adorable. Allez, on découvre tes marque-pages. La suite. Donc, un ruban rose, une base craft. Ils sont toujours tous plastifiés. Ne perds jamais l'espoir. On a des fleurs en résine. Le petit nœud avec une demi-perle. Une découpe de vélo. Il est très joli aussi, ce vélo. Avec des demi-perles sur le panier, à l'intérieur des roues et pour le pédalier. Et deux cœurs, un en strass, un en résine. Et le fond, c'est un fond donc avec de la peinture métallique rose. Le suivant. Le suivant est sur une base Parme avec un ruban rose. Un fond que tu as ancré. Solidaire, amour, espoir, le petit ruban avec une demi-perle. Une découpe de femme, elle est très jolie cette découpe. Là, on a le petit caniche. Voilà, vous le verrez mieux. Et des petites demi-perles de partout. Ils sont très jolis. Alors là, il est en train de se faire la malle, on le resserre, c'est tout bon. Et oui, coquin. Sur une base blanche, un ruban rose. Et donc amour, espoir, solidaire, je vais rajouter une découpe love, une fleur en résine, des demi-perles, le petit nœud avec la demi-perle. Là on a une fleur de lotus et un cœur avec des fleurs dedans. Alors c'est peut-être plus une fleur de nénuphar, je sais pas, ça me fait penser à... ouais, ça me fait un peu penser aux fleurs de lotus aussi. Ah bon, peut-être plus la fleur de nénuphar, je sais pas. Alors, on va pas chipoter, hein. C'est une fleur. On continue sur une base rose fuchsia, le ruban rose. Ah, là, il y a ta fleur qui se sauve. Alors, elle était où? Elle devait être là. Elle s'est promenée, elle s'est promenée. Pour ça que moi, ces choses-là, comme je vous dis, rajoutez toujours une bonne colle en dessous. Parce que sinon, ça tient pas, ça se promène dans les envois. On a des demi-perles, la fleur en résine, le ruban avec un petit strass, un petit demi-perle, et les mêmes découpes, les mêmes sentiments en fait, sauf que c'est en couleur opposée. Voyez? Là, la base a été blanche, là, elle est rose, et quand on tourne, c'est l'opposé. C'est très joli. Ensuite... Alors là, tu as fait une pochette ou... Non, c'est pas une pochette. Là, c'est un shaker. Ok. Donc, du parme, du rose. La vie est un combat. Hop. Il y a une photo de jeune fille. Une photo vintage. Et dedans, tu as mis des sequins, des petits strass. Voilà. Hop. Voyez. Hop. J'essaye de faire redescendre tous les strass. Oui, bah c'est pas grave. Ensuite, sur une base parme, un ruban rose. Tu as utilisé un apron, de la dentelle. Ma vie est un combat. Donc, ma vie est un combat. Des demi-perles, le napperon comme je vous disais avec la dentelle, le petit nœud avec la demi-perle, et là c'est un nounours habillé d'une robe avec des petites chaussures et un petit nœud dans les cheveux. C'est rigolo comme tout. Sur une base blanche, un ruban rose, et là ne perds jamais l'espoir. Une fleur en résine, des demi-perles. On a le petit nœud avec la demi-perle. Et donc des papillons, une abeille et une fleur. Elle est super chouette cette abeille. Et ton papier en dessous, il est embossé.
avec un classeur où on a des fleurs et des papillons. Enfin, surtout des papillons. Ouais, je vois principalement des papillons en fond. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais moi, je les vois bien. Allez, je continue. Base blanche, ruban rose. Et là, tu as fait... Ah, c'est une découpe, d'accord. On a un papier imprimé. Et j'ai cru qu'elle avait fait un cadre et rajouté les fleurs. Mais non, c'est toute une découpe en une fois. Qu'elle est venue colorer. La vie est un combat. Oui, c'est là. C'est pas mal, c'est là. Un ruban rose avec une petite demi-perle et d'autres demi-perles. Donc, ça fait des fleurs de muguet. La base blanche ruban rose. Ne perd jamais l'espoir. Ne perd jamais l'espoir. Et là, pareil, c'est des découpes de fleurs. Avec les demi-perles, le ruban et la perle. Et là, pareil, c'est toi qui es venu les colorier. Hop là, alors. Là, c'est un fil de ton ruban. Hop, qui est venu se coller dans la perle. Base rose fuchsia avec un ruban rose. Ne perd jamais l'espoir. Le ruban avec la demi-perle et une deuxième demi-perle. Et là, c'est un nounours avec les chaussures. Et la robe sur la tête, on dirait. Attends. Il est où l'autre nounours? Ouais, c'est la même chose. Ouais, il a fait le clown. Au lieu de mettre sa robe comme il faut, il l'a mis sur la tête. Voilà. Un petit nœud. Donc voilà. Celui-là, on l'a vu. Non, celui-là, on l'a pas vu. Si on l'a vu ou on l'a pas vu, je sais plus. Bon, je vous le remonte, je sais plus si vous... Ah non, c'est parce que le ruban s'était coincé dedans. Donc là, le ruban, je vais le réparer parce que ça fait pas top. Alors, je vais couper tout ce... Parce que regardez, c'est tout effiloché. Alors, je vais prendre mes ciseaux. Je vais couper ce qui s'est effiloché. Et je vais venir juste chauffer pour pas que ça se reproduise. Hop, voilà. Donc là, c'est une base rose fuchsia, le ruban rose, la petite fleur en résine, le petit nœud avec le strass. Et donc, le meilleur est à venir. Hop. Et là, une découpe de fleurs, une abeille et un papillon. Et le fond, pareil, il est embossé. Donc, avec du papier. Un classeur avec des papillons. Hop. Le suivant. Base blanche, ruban rose. Tu as utilisé un papier décoré et tu es venu rajouter une découpe. Alors, c'est le même système que pour le muguet. Sauf que là, c'est d'autres fleurs. Hop. Pareil, tu es venu colorier. Et la vie est un combat. Donc, on a le ruban rose avec le strass, enfin la perle. Et des petites demi-perles un petit peu partout. Le suivant. Base blanche, pardon, ruban rose. La vie est un combat. Hop. Ah là, c'est la demi-perle qui le gêne. Ok. Là, comme il y a la demi-perle, bah du coup, ça ne peut pas coller comme il faut. Et là, c'est le même système que pour le muguet. En fait, c'est une découpe. Alors, je ne sais pas combien de tas de dice comme ça, mais c'est original. Et on a les roses que tu es venu colorier. Et le dernier ruban rose transparent. Donc, tu as fait un shaker, je suppose. Mais non, il n'y a rien dedans. Non, mais c'est pas un shaker, c'est la présentation qui est comme ça. Donc, hop, le bas, tu es venu mettre un bandeau violet. On a un nounours, il est super joli le nounours. Un nœud rose avec une demi-perle, une fleur d'hibiscus, si je ne me trompe pas. La vie est un combat. Et en bas, tu as mis des strass. Donc là, c'est un strass, c'est une fleur. Une deuxième fleur et un cœur. Je vous les montre comme ça, vous verrez mieux à quoi ça ressemble. Donc voilà, ben écoute, je te remercie beaucoup ma Sylvie. Je vais rattraper un pochon et renoter ton nom dessus.
Alors, le nom de famille, je le noterai après, hors caméra, hein, comme toujours. Et là, donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je fais partir les petits rubans derrière de façon à pouvoir le fermer tranquillement. Voilà. Je remets mes ciseaux en place. L'enveloppe, la première, je la pousse. J'attrape le carton. Allez, la flou, tous tes machins là. Ah bah non, vous ne voyez pas la mince. Et je viens d'en poser un là, ici. Et le deuxième que je fermerai avec un bout de scotch, une fois que j'aurai réparé ton marque-page et que je l'aurai glissé dedans, je le fermerai avec un bout de scotch. Donc voilà. Bon, bah, le carton, il s'est vachement bien rempli. On va pouvoir changer de taille bientôt. Là, il est prêt à exposer celui-là. En tout cas, merci infiniment les filles. Sylvie, si tu peux me dire en message, en commentaire, toutes ces petites fleurs là, parce qu'il y en a un paquet quand même, savoir si elles avaient une place ou pas, parce que j'ai tout ça qui se promène, et ça, j'ai tout ça en trou dans l'enveloppe et que je vois pas où ça pourrait aller. Donc si tu peux me renseigner, ça serait gentil. Je te remercie beaucoup par avance. Allez, je vous embête pas plus, je vous fais plein de gros bisous. Demain matin, j'ai un rendez-vous, comme toujours le mardi matin. Donc, on essaye de se retrouver. L'après-midi, normalement, j'ai le monsieur qui vient pour la vérification de mon lait médicalisé. Mais j'essaye de vous faire une vidéo entre les deux. Sinon, eh bien, on se retrouvera mercredi. Et bah, gros bisous. Plein de gros bisous. Et à très vite. Bisous, bisous. Je vous aime. Et scrapez bien. Et encore merci à vous, les filles.